c'est compliqué, mais c'est quelque chose qui nous oblige à aller chercher très loin en nous des ressources. C'est une aventure absolument incroyable. Enfin, moi, si je me retourne sur cette aventure-là, c'est incroyable ce que ça m'a obligé à aller chercher en moi-même en termes de ressources, d'énergie, et qui m'a amené à faire des rencontres absolument incroyables. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes ici avec une centaine de familles, alors beaucoup de familles jeunes hein, qui entament leur parcours, mais aussi des familles plus âgées que je retrouve avec plaisir. Un monde médical et paramédical de professionnels d'une humanité, d'une qualité absolument extraordinaire. Et pour moi aussi, vu mon parcours, c'est participer à l'avancée des connaissances en termes de maladies rares. Je me suis occupée pendant longtemps du réseau européen du syndrome de Rett. Ça m'a permis de voyager, de rencontrer le syndrome de Rett, ce qui est très, très, très étonnant finalement. C'est que ce sont les mêmes enfants, mêmes adultes, dans tous les pays du monde. C'est extraordinaire. Donc j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de gens. Et je n'aurais jamais pensé rencontrer autant de monde grâce à Agathe. Elle m'a permis de découvrir des trésors d'humanité chez les professionnels, chez d'autres familles. Et je me dis, nous participons à l'avancée des connaissances grâce à elle. Moi, je dirais ne jamais se décourager. Ne jamais se décourager, tenir bon et saisir toutes les occasions, toutes les perches tendues. Saisir toutes les perches tendues par d'autres familles, d'autres professionnels, tous les gens que vous allez rencontrer, qui vont regarder votre enfant, souvent avec bienveillance, très souvent.